De retour dans God of War. Alors après avoir fait un petit tour à Muspelheim et fait les défis au niveau normal et difficile, on reviendra un petit peu plus tard pour les défis un petit peu un petit peu impossibles comme leur nom l'indique. On va attendre de level up un petit peu encore notre personnage, même si ça commence à être intéressant, mais on voit qu'on a du niveau 4 et du niveau 6 en or, on peut monter en niveau 8. Après avoir fait la planète de feu, on va retourner à la planète de glace. Que je dise pas de bêtises. On va aller à Helmine. Il se trouve qu'on a une Valkyrie à qui il faut qu'on aille voter le derrière. Au moins, on n'est pas du côté du pont où ces visions pourraient nous torturer. Il fait si froid que ma salive gèle quand je parle. Pauvre petit. Concentre-toi. La petite boule verte. Reculer au maximum si on peut. Gagner un petit peu de temps. Alors avant de passer à la suite, en préparant le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait une boule intermédiaire ici. Donc surtout, vous faites pocher comme je viens de faire, vous avez
un point intermédiaire et c'est comme, comme la prochaine. À 2 secondes près, je vais me galérer. En fait, il y a un point ici intermédiaire. Ensuite, on va le chercher de l'autre côté. Alors surtout si vous voyez que vous êtes très très court en temps, c'est que souvent vous y prenez pas par le bon chemin, en tout cas moi à chaque fois ça m'a fait le coup. Chaque fois que j'ai eu du mal, c'est qu'en fait il y avait un truc plus simple et je suis passé à côté. Haha, coffre légendaire. Vérifier avant. Hein. Nice. Cyclone du chaos. Alors que j'ouvre les yeux, il y a du corbac d'eau traînée. C'est moins prestigieux que... Un coffre légendaire. Comme ça fait un petit bout de temps que je pomme ici, sincèrement, je sais plus trop par où on était passé et pas passé. Ah, monsieur le corbeau. 37e. Et le deuxième de la zone. Pour l'instant c'est bien, il doit être que dans des zones qu'on n'a pas trop vu
plus qu'on trouve. Légendaire. Normalement. Chambre dorée de tempête. Invoque une tempête glaciale. Nice. Troisième coffre légendaire et donc le dernier. Le pauvre, il est congelé. Ah, je peux pas passer par là. C'est marrant, quel est l'intérêt de ce... de ce coin-là. Je garde ça en tête. Ça on était passé par là, je me souviens. Retrouver 6 sur 7. Alors, on l'a trouvé et on va l'ouvrir. Monsieur le corbeau. Broche trouvée 3 sur 5. Ah, il y a un artefact également. D'accord. Artefact et corbeau, ouais, j'ai pas fait attention que j'avais ramassé un artefact, d'accord. Ok, un artefact en plus et un corbeau. Ouais, faut se méfier hein, quand on rentre dans des zones comme ça où c'est un peu Noël. Des cadeaux partout. Donc, la chambre maintenant est ouverte. Normalement en bas et on va affronter notre avant-dernière Valkyrie. C'est là, le sol de la map. Ensuite, difficile de pas le voir lui sur fond de Monsieur le Corbeau. Des fois il est plutôt dans la chambre avec la Valkyrie, enfin, on a déjà vu ça par le passé. La, donc quatrième corbeau. Next. Quatrième broche. Un quatrième artefact. Il nous en manque plus qu'un. Alors décidément cette chambre est très généreuse. Hein. Dis-nous depuis qu'on est arrivé. Deux corbeaux, deux artefacts. Parce que se poser la question, ils auraient pu un petit peu plus les étaler. C'était plus sympa. Il n'y a pas de truc sur les côtés. D'accord. Je suis passé à côté du coffre, super.
M'omnibuler par le cargo et autres que je passe à côté de ça. Signe irrégulier de survie. Bon. Nouvel affrontement. Laissez-moi deviner, il y a une Valkyrie là-dedans. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'on va la combattre? Il y a un esprit piégé là-dedans. Silence, tête. Quand même vérifier qu'il nous ait pas mis un autre corbeau parce qu'ils sont. Ils ont l'air d'être tellement généreux que. Bon, ça sera un peu fort quand même. Bonne chance, les amis! C'est parti! Deux, trois, et là, on va attaquer. Merci. Je suis libre. Mais pourquoi étais-je enfermée? On pense que votre reine vous a piégé. Mais pourquoi Sigrun aurait-elle fait cela? C'est ce que nous essayons de comprendre, madame. Avez-vous une idée de ce qui aurait pu l'amener à faire ça? Non. Sans les Valkyries, ceux qui meurent au combat n'accèdent pas au Valhalla. Elheim serait envahie par les âmes des défunts. Et Midgard par une marée de dépouilles vengeresses. Ce serait un déshonneur pour les Valkyries. Je dois partir et tenter de rétablir l'ordre. Au revoir. Je crois que tu as ta réponse, tête. La reine s'oppose à Odin. Elle a emprisonné les Valkyries pour le défier. Sigrun déteste Odin, c'est certain, mais de là à renier son devoir, ses responsabilités, serait-elle capable d'aller jusque-là pour s'en prendre à lui? Je ne peux pas le croire.
Moi, si. La haine surpasse le sens du devoir. On doit trouver la reine. Il faut l'arrêter. Je regrette, Mimir. Oh, il ne faut pas, petit. Sigrun l'aura cherché. Je regrette seulement que... Ah, oh, les regrets ne mènent nulle part. Comment la retrouver? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle peut être dans n'importe quel royaume. On la trouvera. Il le faut. Midgard tout entier compte sur nous. Éclat d'existence. Ah, il y a des objets. Si. Assiège gardien. Je regarde quand même en l'air parce que. Sait-on jamais. La Valkyrie 1 sur 1. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste deux corbeaux et un artefact à trouver. J'allais chercher mes corbeaux. Non, je peux pas y aller. On n'a pas réussi à avoir lors de notre premier passage. On n'avait même pas non plus toutes les compétences qu'on a maintenant. Gros bordel. Et le même. Je dois bien pouvoir m'emmener quelque part. J'en profite pour regarder un petit peu ce que j'ai autour de moi. Ah, corbeau. Argent, dommage. Je préfère que ce soit l'artefact. On va déjà aller chercher notre ami le corbeau. Là ici ça serait compliqué hein, de le repérer vraiment. J'avais un visu du dessus.
40e. 5e de la zone. Putain, il était près de son copain. Hein. Donc, dernier corbeau. Recherche du dernier artefact maintenant. On n'a plus trop besoin de regarder en l'air. Maintenant, ça se situe au sol. Donc, il faut qu'il faille faire tomber une cruche. Il est dedans. C'est là où on était tout à l'heure, c'est pour ça maintenant je comprends mieux à quoi elle sert cette zone. C'est quoi qui brille là-haut? C'est quoi le principe tout à l'heure? Qu'est-ce qui est tombé? Bon, s'il vous plaît, faites que ce soit ça parce que là on a fait le tour. Effectivement, lors de notre premier run, on ne devait pas encore avoir les doubles lames. Tu veux qu'on essaye de les échanger? Bingo! Ensemble d'artefacts complets. Bijoux de famille! C'est sympa comme nom. Donc, objectif. Élimination. Voilà, bijoux de famille. J'ai entendu des histoires sur des morts qui emportaient avec eux des offrandes à Helheim. Je me demande s'ils ont perdu ceci. Mère ne porte pas ce genre de bijoux, je n'en ai encore jamais vu. Je suis sûr que Brock voudra nous les acheter. Ouais. Voilà où ça se situe. La bouclée. On en a fini avec cette zone. Plus d'objets, plus de Valkyrie.
c'était difficile. Non, non. Pour ta gouverne, je ne veux plus jamais revenir ici. C'est merci. Vrai. Ça tombe bien, on a tout... On a tout pris. Allez, on se met au travail. Bon, non. Interrogation des artefacts. Content que tu apportes ta contribution. Ah non. La prochaine fois, sans doute. Alors, on a terminé ici.